Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Echo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Echo. Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Mais c'est pas vrai! Allez! Non, allez, ouvre-toi, je t'en prie! Je crois que Roderick travaille dans la cour. La serrure est encore gelée? Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Ces objets, je me souviens de chaque endroit. Chut, la soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez le poivre. Pas mal. Pas mal du tout. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais? Et si... Et si... Et si... Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal? Oh... Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme on a toujours fait! Hé, la nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Ta. Bon, quand tu veux, Amicia. Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Amicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Ouais, il aurait été triste que tu partes. Ouais. C'est bon. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Il va marcher. Il va marcher. Va marcher, je te dis. Hé, du calme. Si tu casses tout... Oh, ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Tout de suite.
prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses ? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver, je vous laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. D'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Demande à Amicia. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ? Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Atteindre l'échelle de l'enceinte rouge, ou je vais mourir ici. Amicia, je t'approche un brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. Oh mon Dieu, j'y croyais.
t'en sors? Ouais. Préfère être ici que... en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'en sais rien, moi. On aurait dit... une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent... c'est... merde. Je savais bien qu'on aurait dû se tirer. J'ai vu ça qu'une fois. Amicia, je crois que c'est à la maison. Toi. Je m'en occupe. Je ne sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Rejoignons les autres à l'intérieur. J'espère qu'ils vont bien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Est-ce que ça va? Non. C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que ce n'est pas une simple invasion. Par ici! Vite! Et fais ce que tu dois faire. Hugo. Viens. Hugo. C'était lui. Mais qu'est-ce que tu fous avec cette porte? C'était bien lui. Elle veut pas s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il nous fait? Les rats. Il les contrôle, oui. Avec voilà. La macula. Haro, on va sortir. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Les rats passent ses défenses comme dans le feu. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Paul, on doit se tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez. Non. Non. Allez, gamin. Elle n'est plus rien pour toi. Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil. Ne l'écoute pas, Hugo. Allez, je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui... Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant! On l'a eu, ce sale chien!
Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je dois parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo ! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien faire, Hugo. Regarde ! Vous êtes jeune, je vous dis pas. Tiens, tiens, regardez qui voilà. Les vermines ! De vivre dans l'ombre du porteur, hein, Amicia? Je peux te libérer de ça. Je sais que vous êtes là, tout près.
c'est l'enfer qui viendra à vous. Il les a tous eus. Chance. Ah ouais? Et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève, les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie! On est cinq contre une armée! En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil ? Oui, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.